Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit sur D8. Ce soir, un livre pas comme les autres, c'est le livre de la passion, écrit en 1848, La Dame aux Camélias. Autant vous dire que l'ancêtre de l'histoire de Pretty Woman va vous emporter dans un merveilleux conte de passion et d'amour brûlant. J'espère que vous allez avoir du plaisir à l'écouter autant que j'en aurai à vous le lire. La Dame aux Camélias, chapitre 1. Mon avis est qu'on ne peut créer des personnages que lorsque l'on a beaucoup étudié les hommes, comme on ne peut parler une langue qu'à la condition de l'avoir sérieusement apprise. N'ayant pas encore l'âge où l'on invente, je me contente de raconter. J'engage donc le lecteur à être convaincu de la réalité de cette histoire dont tous les personnages, à l'exception de l'héroïne, vivent encore. D'ailleurs, il y a à Paris des témoins de la plupart des faits que je recueille ici, et qui pourraient le confirmer si mon témoignage ne suffisait pas. Par une circonstance particulière, seul je pouvais les écrire, car seul j'ai été le confident des derniers détails sans lesquels il eût été impossible de faire un récit intéressant et complet. Or voici comment ces détails sont parvenus à ma connaissance. Le 12 du mois de mars, 1847, je lus dans la rue Lafitte une grande affiche, une grande affiche jaune annonçant une vente de meubles et de riches objets de curiosité. Cette vente avait lieu après décès. L'affiche ne nommait pas la personne morte, mais la vente devait se faire rue Dantin, numéro 9, le 16, de midi à 5 heures. L'affiche portait en outre que l'on pourrait, le 13 et le 14, visiter l'appartement et les meubles. J'ai toujours été amateur de curiosité. Je me promis de ne pas manquer cette occasion, sinon d'en acheter, du moins d'en voir. Le lendemain, je me rendis rue Dantin, numéro 9. Il était de bonne heure, et cependant, il y avait déjà dans l'appartement des visiteurs et même des visiteuses qui, quoique vêtues de velours, couvertes de cachemire et attendues, à la porte par leurs élégants coupés, regardaient avec étonnement, avec admiration même, le luxe qui s'étalait sous les yeux. Plus tard, je compris cette admiration et cet étonnement, car m'étant mis aussi à examiner, je reconnus aisément que j'étais dans l'appartement d'une femme entretenue. Or, s'il y a une chose que les femmes du monde désirent voir, et il y avait là des femmes du monde, c'est l'intérieur de ces femmes dont les équipages éclaboussent chaque jour le leur, qui ont, comme elles et à côté d'elles, leur loge à l'opéra et aux italiens, et qui étaient, à Paris, l'insolente opulence de leur beauté, de leurs bijoux et de leurs scandales. Celles chez qui je me trouvais était morte. Les femmes les plus vertueuses pouvaient donc pénétrer jusque dans sa chambre. La mort avait purifié l'air de ce cloaque splendide, et d'ailleurs... Elles avaient pour excuse, s'il en était besoin, qu'elles venaient à une vente, sans savoir chez qui elles venaient. Elles avaient lu des affiches, elles voulaient visiter ce que ces affiches promettaient de, et faire leur choix à l'avance. Rien de plus simple. Ce qui ne les empêchait pas de chercher au milieu de toutes ces merveilles les traces de cette vie de courtisane dont on leur avait fait sans doute de si étranges récits. Malheureusement, les mystères étaient morts avec la déesse. Et malgré toute leur bonne volonté, ces dames ne surprirent que ce qui était à vendre depuis le décès et rien de ce qui se vendait du vivant de la locataire. Du reste, il y avait de quoi faire des emplettes. Le mobilier était superbe. Meubles de bois de rose et de boule, vases de sèvres et de chine, statuettes de Saxe, satin, velours et dentelles, rien n'y manquait. Je me promenais dans l'appartement et je suivis les nobles curieuses qui m'y avaient précédé. Elles entrèrent dans une chambre tendues d'étoffes, perces, et j'allais y entrer aussi quand elles en sortirent presque aussitôt, en souriant, et comme, comme si elles eussent honte de cette nouvelle curiosité. Je n'en désirais que plus vivement pénétrer dans cette chambre. C'était le cabinet de toilette, revêtu de ses plus minutieux détails dans lesquels paraissait s'être développée au plus haut point la prodigalité de la morte. Sur une grande table, Adossé au mur, table de trois pieds de large, sur six de long, brillaient tous les trésors d'Ocoque et d'Audio. C'était là une magnifique collection, et pas un de ces mille objets, si nécessaires à la toilette d'une femme, comme celle chez qui nous étions, n'était en autre métal, corps ou argent. Cependant, cette collection n'avait pu se faire que peu à peu, et ce n'était pas le même amour qui l'avait complété. Moi qui ne m'effarouchais pas à la vue du cabinet de toilette d'une femme entretenue, je m'amusais à en examiner les détails, quels qu'ils fussent. Et je m'aperçus que tous ces ustensiles, magnifiquement ciselés, portaient des initiales variées et des couronnes différentes. Je regardais toutes ces choses dont chacune me représentait une prostitution de la pauvre fille et je me disais que Dieu avait été clément pour elle puisqu'il n'avait pas permis qu'elle en arrivât au châtiment ordinaire et qu'il l'avait laissée mourir dans son luxe et sa beauté avant la vieillesse, cette première mort des courtisanes. En effet, quoi de plus triste à voir que la vieillesse de vice, surtout chez la femme Elle ne renferme aucune dignité et n'inspire aucun intérêt. Se repentir éternel, non pas de la mauvaise route suivie, mais des calculs mal faits ou de l'argent mal employé, est une des plus attristantes choses que l'on puisse entendre. J'ai connu une ancienne femme galante à qui il ne restait plus que de son passé qu'une fille, presque aussi belle que, au dire de ses contemporains, avait été sa mère. Cette pauvre enfant à qui sa mère n'avait jamais dit tu es ma fille, que pour lui ordonner de nourrir sa vieillesse comme elle-même avait nourri son enfance, cette pauvre créature se nommait Louise. Et obéissant à sa mère, elle se livrait sans volonté, sans passion, sans plaisir, comme elle eût fait un métier si l'on eût songé à lui en apprendre un. La vue continuelle de la débauche, une débauche précoce, alimentée par l'état continuellement maladif de cette fille, avait éteint en elle l'intelligence du mal et du bien que Dieu lui avait donné peut-être, mais qu'il n'était venu à l'idée de personne de développer. Je me rappellerai toujours cette jeune fille qui passait sur les boulevards presque tous les jours à la même heure. Sa mère l'accompagnait sans cesse, aussi assidûment qu'une vraie mère eût accompagné sa vraie fille. J'étais bien jeune alors et prêt à accepter pour moi la, vieille, la facile morale de mon siècle. Je me souviens cependant que la vue de cette surveillance scandaleuse m'inspirait le mépris et le dégoût. Joigné à cela que jamais visage de vierge n'eut un pareil sentiment d'innocence une pareille expression de souffrance mélancolique on eût dit une figure de la résignation un jour le visage de cette fille s'éclaira au milieu des débauches dont sa mère tenait le programme il sembla à la pécheresse que dieu lui permettait un bonheur et pourquoi après tout dieu qui l'avait faite sans force l'aurait-il laissé sans consolation sous le poids douloureux de sa vie un jour, donc, elle s'aperçut qu'elle était enceinte, et ce qu'il y avait en elle de chaste encore tressaillit de joie. L'âme a d'étranges refuges. Louise courut annoncer à sa mère cette nouvelle qui la rendait si joyeuse. C'est honteux à dire, cependant nous ne faisons pas ici de l'immoralité à plaisir, nous racontons un fait vrai que nous ferions peut-être mieux de taire si nous ne croyons qu'il faut de temps en temps. Révéler les martyrs de ces êtres, que l'on condamne sans les entendre, que l'on méprise sans les juger. C'est honteux, disons-nous, mais la mère répondit à sa fille qu'elle n'avait déjà pas trop pour deux et qu'elle n'aurait pas assez pour trois. Que de pareils enfants sont inutiles et qu'une grossesse est du temps perdu. Le lendemain, une sage-femme, que nous signalons seulement comme l'ami de la mère, vint voir Louise, qui resta quelques jours au lit et s'en releva plus pâle et plus faible qu'autrefois. Trois mois après, un homme se prit de pitié pour elle et entreprit sa guérison morale et physique. Mais la dernière secousse avait été trop violente et Louise mourut des suites de la fausse couche qu'elle avait faite. La mère vit encore. Comment Dieu le sait. Cette histoire m'était revenue à l'esprit pendant que je contemplais les nécessaires d'argent, et un certain temps s'était écoulé à ce qu'il paraît dans ses réflexions, car il n'y avait plus dans l'appartement que moi et un gardien qui, de la porte, examinait avec attention si je ne dérobais rien. Je m'approchai de ce brave homme, à qui j'inspirais de si graves inquiétudes. Monsieur, lui dis-je, pourriez-vous me dire le nom de la personne qui demeurait ici Mademoiselle Marguerite Gautier. Je connaissais cette fille de nom et de vue. Comment dis-je au gardien. Marguerite Gautier est morte Oui, monsieur. Mais quand cela Il y a trois semaines, je crois. Et pourquoi laisse-t-on visiter l'appartement Les créanciers ont pensé que cela ne pouvait que faire monter la vente. Les personnes peuvent voir d'avance l'effet que font les étoffes et les meubles. Vous comprenez, cela encourage à acheter. Elle avait donc des dettes oh, 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 monsieur. En quantité. Mais la vente les couvrira sans doute. Et au-delà. Et à qui reviendra le surplus alors À sa famille. Elle a donc une famille À ce qu'il paraît. Merci, monsieur. Le gardien, rassuré sur mes attentions, me salua et je sortis. Pauvre fille, me disais-je en retard, chez moi. Elle a dû mourir bien tristement, car dans son monde, on n'a d'amis qu'à la condition qu'on se portera bien. Et malgré moi, je m'apitoyais sur le sort de Marguerite Gautier. Cela paraîtra peut-être ridicule à bien des gens, mais j'ai une indulgence inépuisable pour les courtisanes, et je ne me donne même pas la peine de discuter cette indulgence. Un jour, en allant prendre un passeport, à la préfecture, je vis dans une des rues adjacentes une fille que deux gendarmes m'emmenaient. J'ignore ce qu'avait fait cette fille. Tout ce que je puis dire, c'est qu'elle pleurait, à chaudes larmes, en embrassant un enfant de quelques mois dont son arrestation la séparait. Depuis ce jour, je n'ai plus su mépriser une femme à première vue. Chapitre 2. La vente était pour le 16. Un jour d'intervalle avait été laissé entre les visites et la vente pour donner au tapissier le temps de déclouer les tentures, rideaux, etc. À cette époque, je revenais de voyage. Il était assez naturel que l'on ne m'eût pas appris la mort de Marguerite comme une de ces grandes nouvelles que ses amis apprennent toujours à celui qui revient dans la capitale des nouvelles. Marguerite était jolie. Mais autant la vie recherchée de ces femmes fait de bruit, autant leur mort en fait peu. Ce sont de ces soleils qui se couchent comme ils se sont levés sans éclat. Leur mort, quand elle meurt jeune, est apprise de tous leurs amants en même temps, car à Paris, presque tous les amants d'une fille connue vivent en intimité. Quelques souvenirs s'échangent à son sujet et la vie des uns et des autres continue sans que cet incident la trouble, même d'une larme. Aujourd'hui, quand on a 25 ans, les larmes deviennent une chose si rare qu'on ne peut les donner à la première venue. C'est tout au plus si les parents qui payent pour être pleurés le sont en raison du prix qu'ils y mettent. Quant à moi, quoique mon chiffre ne se retrouvât sur aucun des nécessaires de Marguerite, cette indulgence instinctive, cette pitié naturelle que je viens d'avouer tout à l'heure, me faisait songer à sa mort plus longtemps qu'elle ne mérite peut-être que j'y songeasse je me rappelais avoir rencontré Marguerite très souvent aux Champs-Élysées, où elle venait assidûment tous les jours, dans un petit coupé bleu, attelé de deux magnifiques chevaux baies, et avoir alors remarqué en elle une, une distinction peu commune, assez semblable, distinction que rehaussait encore une beauté vraiment exceptionnelle. Ces malheureuses créatures sont toujours, quand elles sortent, accompagnées on ne sait de qui, comme aucun homme ne consent à afficher publiquement l'amour nocturne qu'il a pour elles, comme elles en ont horreur, horreur de la solitude, elles emmènent ou celles qui, moins heureuses, n'ont pas de voiture, ou quelques-unes de ces vieilles élégantes, dont rien ne motive l'élégance, et à qui l'on peut s'adresser sans crainte, quand on veut avoir quelques détails que ce soit sur la femme qu'elles accompagnent. Il en était ainsi. Pour Marguerite, elle arrivait aux Champs-Élysées, toujours seule dans sa voiture, où elle s'effaçait le plus possible, l'hiver enveloppé d'un grand cachemire, l'été vêtue de robes fort simples, et quoiqu'il y eût sur sa promenade favorite bien des gens qu'elle connut, quand par hasard elle leur souriait, le sourire était visible pour eux seuls. Et une duchesse eût pu sourire ainsi. Elle ne se promenait pas du rond-point à l'entrée des Champs-Élysées comme le font et le faisaient toutes ses collègues. Ses deux chevaux l'emportaient rapidement au bois. Là, elle descendait de voiture, marchait pendant une heure, remontait dans son coupé et rentrait chez elle au grand trot de son attelage. Toutes ces circonstances, dont j'avais quelquefois été le témoin, repassaient devant moi et je regrettais la mort de cette fille, comme on regrette la destruction totale d'une belle œuvre. Or, il était impossible de voir une plus charmante beauté que celle de Marguerite. Grande et mince jusqu'à l'exagération, elle possédait au suprême degré l'art de faire disparaître cet oubli de la nature par le simple arrangement des choses qu'elle revêtait. Son cachemire, dont la pointe touchait à terre, laissait échapper de chaque côté les larges volants d'une robe de soie et l'épais manchon qui cachait ses mains et qu'elle appuyait contre sa poitrine, était entourée de plis si habilement ménagés que l'œil n'avait rien à redire, si exigeant qu'il fût, au contour des lignes. La tête, une merveille, était l'objet d'une coquetterie particulière, elle était toute petite, et, et sa mère, comme dirait de Musset, semblait l'avoir faite ainsi pour la faire avec soin. Dans un ovale d'une grâce indescriptible, Mettez des yeux noirs, surmontés de sourcils d'un arc si pur qu'il semblait peint. Voilez ses yeux de grands cils, qui, lorsqu'il s'abaissait, jetaient de l'ombre sur la teinte rose des joues. Tracez un nez fin, droit, spirituel, aux narines un peu ouvertes par une aspiration ardente vers la vie sensuelle. Dessinez une bouche régulière, dont les lèvres s'ouvraient gracieusement sur des dents blanches comme du lait. Colorez la peau de ce velouté qui couvre les pêches, qu'aucune main n'a touché, et vous aurez l'ensemble de cette charmante tête. Les cheveux noirs comme du jet, ondés naturellement ou non, s'ouvraient sur le front en de larges bandeaux et se perdaient. Derrière la tête, en laissant voir un bout des oreilles auxquelles brillaient deux diamants, une valeur de 4 à 5 000 francs chacun. Comment sa vie ardente laissait-elle au visage de Marguerite l'expression virginale, enfantine même, qui la caractérisait C'est ce que nous sommes forcés de constater sans le comprendre. Marguerite avait d'elle un merveilleux portrait, fait par Vidal, le seul homme dont le crayon pouvait la reproduire. J'eus eu depuis sa mort ce portrait pendant quelques jours à ma mort. Ah, pardon. J'eus eu depuis sa mort ce portrait pendant quelques jours à ma disposition, et il était d'une du, si étonnante ressemblance qu'il m'a servi à donner les renseignements pour lesquels ma mémoire ne m'eût peut-être pas suffi. Parmi les détails de ce chapitre, quelques-uns ne me sont parvenus que plus tard, mais je les écris tout de suite pour n'avoir pas y à y revenir lorsque commencera l'histoire anecdotique de cette femme. Marguerite assistait à toutes les premières représentations et passait toutes ses soirées au spectacle ou au bal. Chaque fois que l'on jouait une pièce nouvelle, on était sûr de l'y voir, avec trois choses qui ne la quittaient jamais et qui occupaient toujours le devant de sa loge du rez-de-chaussée. Sa lorgnette, un sac de bonbons et un bouquet de camélias. Pendant 25 jours du mois, les camélias étaient blancs et pendant 5, ils étaient rouges. On n'a jamais su la raison de cette variété de couleurs, que je signale sans pouvoir l'expliquer et que les habitués des théâtres où elle allait le plus fréquemment et ses amis avaient remarqué comme moi. On n'avait jamais vu à Marguerite d'autres fleurs que des camélias. Aussi, chez Madame Barjon, sa fleuriste avait-on finalement fini par la surnommer la Dame aux Camélias. Et ce surnom lui était resté. Je savais en outre, comme tous ceux qui vivent dans un certain monde à Paris, que Marguerite avait été la maîtresse des jeunes gens les plus élégants, qu'elle le disait hautement et que même s'en vantait, ce qui prouvait qu'amant et maîtresse étaient contents l'un de l'autre. Cependant, depuis trois ans environ, depuis un voyage à Bagnères, elle ne vivait plus, disait-on, qu'avec un vieux duc étranger, énormément riche, et qui avait essayé de la détacher le plus possible de sa vie passée. Ce que du reste elle avait paru se laisser faire d'assez bonne grâce. Voici ce qu'on m'a raconté à ce sujet. Au printemps de 1842, Marguerite était si faible, si changée, que les médecins lui ordonnèrent les eaux et qu'elle partit pour Bagnères. Là, parmi les malades, se trouvait la fille de ce duc, laquelle avait non seulement la même maladie, mais encore le même visage que Marguerite, au point qu'on eût pu les prendre pour deux sœurs. Seulement, la jeune duchesse était au troisième degré de la phtisie et peu de jours après l'arrivée de Marguerite, elle succombait. Un matin, le duc resté à Bagnères, comme on reste sur le sol qui ensevelit une partie du cœur, aperçut Marguerite au détour d'une allée. Il lui sembla voir passer l'ombre de son enfant et marchant vers elle, il lui prit les mains, l'embrassa en pleurant et, sans lui demander qui elle était, implora la permission de la voir et d'aimer en elle l'image vivante de sa fille morte. Marguerite, seule à Bagnères avec sa femme de chambre et d'ailleurs n'ayant aucune crainte de se compromettre, Accorda au duc ce qu'il lui demandait. Il se trouvait à bannière des gens qui la connaissaient et qui vinrent officiellement avertir le duc de la véritable position de Mademoiselle Gauthier. Ce fut un coup pour le vieillard, car là cessait la ressemblance avec sa fille. Mais il était trop tard. La jeune femme était devenue un besoin de son cœur et son seul prétexte, sa seule excuse de vivre encore. Il ne lui fit aucun reproche. Il n'avait pas le droit de lui en faire. Mais il lui demanda si elle se sentait capable de changer sa vie, lui offrant en échange de ce sacrifice toutes les compensations qu'elle pourrait désirer. Elle promit. Il faut dire qu'à cette époque, Marguerite Nature Enthousiaste était malade. Le passé lui apparaissait comme une des causes principales de sa maladie et une sorte de superstition lui fit espérer que Dieu lui laisserait la beauté et la santé en échange de son repentir et de sa conversion. En effet, les eaux, les promenades, la fatigue naturelle et le sommeil l'avaient à peu près rétabli quand vint la fin de l'été. Le duc accompagna Marguerite à Paris, où il continua de venir la voir comme à Bannière. Cette liaison, dont on ne connaissait ni la véritable origine, ni le véritable motif, causa une grande sensation ici, car le duc, connu par sa grande fortune, se faisait connaître maintenant par sa prodigalité. On attribua au libertinage fréquent chez les vieillards riches ce rapprochement du vieux duc et de la jeune femme. On supposa tout, excepté ce qui était. Cependant, le sentiment de ce père pour Marguerite avait une, chasse, avec une cause si chaste que tout autre rapport que des rapports de cœur avec elle lui eût semblé un inceste. Et jamais il ne lui avait dit un mot que sa fille n'eût pu entendre loin de nous la penser de faire de notre héroïne autre chose que ce qu'elle était, nous dirons donc que tant qu'elle était restée à Bagnères, la promesse faite au duc n'avait pas été difficile à tenir et qu'elle avait été tenue. Mais une fois de retour à Paris, il avait semblé à cette fille habituée à la vie dissipée, aux balles, aux orgies même, que sa solitude troublée seulement par les visites périodiques du duc la ferait mourir d'ennui. Et les souffles brûlants de sa vie d'autrefois passaient à la fois sur sa tête et sur son cœur. Ajoutez que Marguerite était revenue de ce voyage plus belle qu'elle n'avait jamais été, qu'elle avait vingt ans, et que la maladie, endormie mais non vaincue, continuait à lui donner ces désirs fiévreux qui sont presque toujours le résultat des affections de poitrine. Le duc eut donc une grande douleur le jour où ses amis, sans cesse aux aguets, pour surprendre un scandale de la part de la jeune femme avec laquelle il se compromettait, disait-il, vinrent lui dire et lui prouver qu'à l'heure où elle était sûre de ne pas le voir venir, elle recevait des visites, et que ces visites se prolongeaient souvent jusqu'au lendemain. Interrogée, Marguerite avoua tout au duc, lui conseillant sans arrière-pensée de cesser de s'occuper d'elle, car elle ne se sentait pas la force de tenir les engagements pris, et ne voulait pas recevoir plus longtemps les bienfaits d'un homme qu'elle trompait. Le duc resta huit jours sans paraître. Ce fut tout ce qu'il put faire, et le huitième, il vint supplier Marguerite de l'admettre encore, lui promettant de l'accepter telle qu'elle serait, pourvu qu'il la vît, et lui jurant que dût-il mourir, il ne lui ferait jamais de reproche. Voilà où en étaient les choses trois mois après le retour de Marguerite, c'est-à-dire en novembre ou décembre 1842. Chapitre 3 Le 16, à une heure, je me rendis rue d'Antin. De la porte cochère, on entendait crier les commissaires priseurs. L'appartement était plein de curieux. Il y avait là toutes les célébrités du vice élégant, sournoisement examinées par quelques grandes dames qui avaient pris encore une fois le prétexte de la vente pour avoir le droit de voir de près des femmes avec qui elles n'auraient jamais eu l'occasion de se retrouver et dont elle enviait peut-être en secret les faciles plaisirs. Madame la duchesse de F coudoyait mademoiselle A, une des plus tristes épreuves de nos courtisanes modernes. Madame la marquise de T hésitait pour acheter un meuble sur lequel enchérissait Madame D, la femme adultère la plus élégante et la plus connue de notre époque, le duc d'Y qui passe à Madrid pour se ruiner à Paris, à Paris pour se ruiner à Madrid, et qui, somme toute, ne dépense même pas son revenu, tout en causant avec Madame M, une de nos plus spirituelles conteuses qui veut bien de temps en temps écrire ce qu'elle dit et signer ce qu'elle écrit. Échanger des regards confidentiels avec Madame de N, cette belle promeneuse des Champs-Élysées, presque toujours vêtue de rose ou de bleu, et qui fait traîner sa voiture par deux grands chevaux noirs que Tony lui a vendus 10 000 francs et qu'elle lui a payés. Enfin, Mademoiselle R, qui se fait avec son seul talent le double de ce que les femmes du monde se font avec leurs dot et le triple de ce que les autres se font avec leurs amours, était, malgré le froid, venue faire quelques emplettes et ce n'était pas elle qu'on regardait le moins. Nous pourrions citer encore les initiales de bien des gens réunis dans ce salon et bien étonnés de se trouver ensemble, mais nous craindrions de lasser le lecteur. Disons seulement que tout le monde était d'une gaieté folle et que parmi toutes celles qui se trouvaient là, beaucoup avaient connu la morte et ne paraissaient pas s'en souvenir. On riait fort. Les commissaires criaient à tue-tête, les marchands qui avaient envahi les bancs disposés devant la table de vente essayaient en vain d'imposer silence pour faire leurs affaires tranquillement. Jamais réunion ne fut plus variée, plus bruyante. Je me glissais humblement au milieu de ce tumulte attristant quand je songeais qu'il avait lieu près de la chambre où avait expiré la pauvre créature dont on vendait les meubles pour payer les dettes. Venu pour examiner plus que pour acheter, je regardais les figures des fournisseurs qui faisaient vendre et dont les traits s'épanouissaient chaque fois qu'un objet arrivait à un prix qu'ils n'eussent pas espéré. Honnêtes gens qui avaient spéculé sur la prostitution de cette femme, qui avaient gagné 100% sur elle, qui avaient poursuivi de papier timbré les derniers moments de sa vie et qui venaient après sa mort recueillir les fruits de leurs honorables calculs en même temps que les intérêts de leur honteux crédit bien avait raison les anciens qui n'avaient qu'un même dieu pour les marchands et pour les voleurs. Robes, cachemires, bijoux se vendaient avec une rapidité incroyable. Rien de tout cela ne me convenait et j'attendais toujours. Tout d'un coup, j'entends crier. Un volume parfaitement relié, doré sur tranche, intitulé Manon Lescaut. Il y a quelque chose d'écrit sur la première page. Dix francs. Douze, dit une voix après un silence assez long. Quinze, dis-je. Pourquoi Je n'en sais rien. Sans doute pour ce quelque chose d'écrit. Quinze, répéta le commissaire-priseur. Trente, fit le premier enchérisseur d'un ton qui semblait défier qu'on mît davantage. Cela devenait une lutte. Trente-cinq, criai-je alors du même ton. 40, 50, 60, 100 J'avoue que si j'avais voulu faire de l'effet, j'aurais complètement réussi, car à cette enchère, un grand silence se fit. Et l'on me regarda pour savoir quel était ce monsieur qui paraissait si résolu à posséder ce volume. Il paraît que l'accent donné à mon dernier mot avait convaincu mon antagoniste. Il préféra donc abandonner un combat qui n'eût servi qu'à me faire payer ce volume dix fois sa valeur. Et s'inclinant, il me dit fort gracieusement, quoique un peu tard, ⁇ Je cède, monsieur. ⁇ Personne n'ayant plus rien dit, le livre me fut adjugé. Ce livre est la clé des prochains épisodes, que j'aurai le plaisir de vous lire la prochaine fois. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était la dame au Camillia. Premier épisode sur des 8 dans voyage au bout de la nuit. Faites de très beaux rêves. à bientôt.